C'est normal qu'il y ait un chien en train de mordre un pingouin. Ah! Il est là, frérot! Mais qu'est-ce que. Mais il est là, frère! T'as la frappe, frère! T'as la frappe, gros! Mais qu'est-ce que. Ah, je vais appeler les pompiers. J'appelle les pompiers. Salut internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de Sully Prono. Vous avez été nombreux à me demander qui c'est ton pronostiqueur. Eh ben, la réponse, elle est là. C'est Sully Prono. Ça fait des mois que je le suis et grâce à lui, j'ai encaissé des milliers d'euros. Donc comme je suis généreux, je me devais de vous partager l'offre qui est en cours avec Sully Prono. Vous avez pour 1 euro accès à tous les pronostics, donc profitez-en, c'est 1 euro symbolique. Et puis si ça marche pas, tant pis, vous avez rien à perdre si ce n'est qu'un euro. Ça vous permettra aussi de vous faire une idée sur son talent et ses pronostics, et pourquoi pas continuer avec lui si vous êtes satisfait. Le lien de son Telegram est en description. Pour jouer, il faut être majeur et non mineur. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à tout à l'heure. Ciao. Salut internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Farid Zitoun, que vous connaissez déjà, qui a une chaîne YouTube et qui est acrobate. On l'appelle l'arabe volant. Hey Kamov, t'es chaud ou quoi? Et nous avons aussi notre Fafa TV qui est youtubeur. Il a pas trop de. On l'appelle Fafa TV, il a pas trop de particularités ni de talent. Non. Mais. Mon talent c'est de supporter, espèce de grosse. Et de faire des gros pranks aussi. J'en ai fait des gros d'ailleurs. Allez voir et abonne-toi sinon je te. Qu'est-ce qu'on a dit Fafa là? Vas-y, je t'écoute. Que si s'abonne pas. On a dit, on a dit quoi la dernière fois? On n'insulte plus les abonnés. On n'insulte plus, ouais, c'est vrai. Je vous insulte. Tu dis pardon? J'insulte. T'insultes plus Fafa? Non. Bah tous ceux qui s'abonnent pas. Allez vous faire. Oh, arrête! C'est bon, en vrai, voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, abonne-toi, sinon. Bon. Abonne-toi, sinon rien! Sinon, tu verras. On est en compagnie aussi du propriétaire de la maison sur laquelle on est. Alors, je vous explique en gros. Alors, tu vas te présenter, comment tu t'appelles? Alors, moi, c'est Eric. Eric, enchanté. Enchanté. Non, attends, excuse-moi. C'est vrai que mon père, en plus. Non, tu vas pas commencer à casser, tu vas pas commencer à niquer la vidéo. Non, mais je n'ai pas la vidéo. Non, t'es en train de m'interrompre. Depuis tout à l'heure, tu m'interromps, Fafouné. Je suis désolé, tu vas pas me niquer la vidéo à chaque fois. À chaque fois, tu fais ça. T'es comme un enfant. Il faut que je te parle comme si j'étais ton père. Pardon, Eric. Donc, nous sommes, je le répète, avec Eric. Eric est le propriétaire de cette magnifique demeure et de ce jacuzzi que vous voyez derrière nous. Alors, qu'est-ce qui se passe, Eric? Explique-nous un peu, vas-y. Alors, le problème, c'est qu'il y a des cons, des petits cons qui s'amusent à se baigner sans autorisation. Ah, d'accord. Donc j'ai essayé de leur courir après, mais bon, je me suis fait mal à la cheville. Je me suis fait une entorse à la cheville. D'accord. Du coup, je fais appel à l'équipe Kamov, hein, tout simplement. Est-ce que tu as essayé de jouer la police avant? Ils viennent pas, ils s'en foutent complet. Bah, ouais, c'est pas assez grave, on va dire. De nos jours, c'est grave quand même. Donc, il commence à faire beau et tout. Donc c'est ça. Alors là, bon, aujourd'hui, on n'a pas trop de chance, il fait pas très beau. Mais ils viennent tout le temps. Ils viennent tout le temps. Un jour sur deux, ils sont là. Donc ils viennent quand tu travailles. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, t'as pris ton jour de repos. Donc aujourd'hui, je suis prêt pour les piéger. Et je me suis dit, je vais les piéger et ils vont prendre sévère. Donc vous l'avez compris, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des caméras cachées ici, sur le jacuzzi, un peu partout. Et nous, on va rester à l'écart. Donc quand ils seront dans le jacuzzi, au moment où ils seront bien dedans, on interviendra. Eric sera avec nous. Je vous dis à tous bon visionnage et j'espère que cette vidéo vous plaira. À toutes. Les amis, on vient d'avoir une défarfelue avec Farid et Fafa. On a mis ce carton à côté du jacuzzi, on va planquer Fafa dedans, d'accord? Et quand le mec, il arrivera, Fafouné, sortira du carton pour surprendre notre voleur. J'attends qu'il se baigne. Eh ben oui. Rentrez, tu rentres, Fafouné. Ah ouais, c'est poil. On va même t'envoyer au bled. C'est bon comme ça. Si le mec, il met 3 heures à arriver, je reste 3 heures là. Bonne chance, bon courage pour vous. Bonne chance. Bonne chance, Fafouné. Allez, emballé, c'est pesé. Donc là, les amis, bon, il y a Fafouné. Fafouné dans le carton, vous voyez le carton qui bouge un peu. Donc malgré le temps, on espère qu'il viendra. Et s'il vient, eh ben, on aura Fafouné à côté et nous on interviendra. A few moments later. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais mec, on le voit pas. Hop, tu vois les pieds? Ouais, rien. Ouais, c'est. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous niquer la clôture. Oh là 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 là. J'étais pas venu pour rien, les gars, je vous le dis. Oh, c'est des petites gamineries, mais qui sont un peu jeunes en tout cas. Eh ouais. Là, tu fais 3 heures du matin, mais tu rentres, tu veux te coucher, te reposer, et puis. Tranquille, le mec, il est chaud. Je t'ai mis pour deux. Il a servi à tout, frère. Mais d'habitude, ils sont deux, là, tu vois, il est tout seul. Ah, il fait comme chez lui. C'est incroyable. Je vais proposer un café aussi, peut-être. On va y faire le service.
Nous, il faut pas oublier les gars qu'il y a Fafoumé qui est dans le carton juste derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une story et tout, je crois. Tranquille, le mec. On va se prendre un selfie. Ah ouais. C'est un truc de fou. Frère, on est en 2022, c'est le monde, il part en couille complet, frère. Ouais, il appelle son collègue pour dire. Viens. Ouais, il a cru c'était à quoi l'entrée. À quoi l'entrée. Parce que j'ai envie de les monter en l'air, c'est son cul. Tu peux pas. Parce que la loi les protège. Et voilà. On dirait un cadeau de mariage, tu vois qu'on a eu. Ah, il jette le truc comme ça. Ah, ouais, c'est dégueulasse. Ah, il le jette comme ça, il s'en bat les couilles. Hey, il prend le temps de mettre les bulles et tout. Avec ma femme, on l'utilise régulièrement. Après, ouais, regarde comme il est con. Ça va toi? Faire. Viens là. Viens là. Viens là. Allez, où tu vas? T'es ma trempe. Petit acculé, va. Laissez-nous gérer. T'as pas honte? Tout iPhone. Ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais ici? Gros frère. Je sais pas, j'ai vu que. Frérot, on va éviter. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc ça, c'est pas ton jacuzzi. Non. À partir de quel moment tu te permets d'aller chez les gens et d'utiliser les jacuzzi de toi? Je profite un peu. Parce que tu. J'ai l'été qui arrive, je sais un peu. T'as quel âge, un méchant? 19. 19 ans, tu vois. Le propriétaire, c'est lui. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je te laisse là avec lui. Vous... T'as vu, toi, ce que j'ai là? Hein? Tu te souviens de moi que je t'ai couru après? Hein? C'est un c***. T'as de la chance qu'ils sont là parce que mon pauvre. Il est remis entre 4 planches là ce soir. La prochaine fois, c'est toujours. Monsieur. C'est un c***. Eric, ça va. C'est bon, c'est réglé. Le problème, il va être réglé. Eric, ne t'inquiète pas. Le problème va être réglé. Moi, j'habite en HLM, tu vois. Ouais. Là, nous, on n'a pas la piscine, on n'a pas la. Non, mais frère, alors. À ce moment, non, pas la mer, frère. Non, mais attends, mais t'imagines. Tout, tu... Non, mais je suis d'accord. Mais t'imagines si tous les gens qui habitaient en HLM rentraient chez les gens qui ont un jacuzzi pour se baigner dedans parce qu'ils n'ont pas de jacuzzi, frérot. Arrête de le délire. Il y a des piscines publiques, il y a la mer. On est à Marseille, frère. Si Eric, il veut, là, le propriétaire. Si eux, il appelle les flics, ils t'amènent, ils te prennent, ils t'amènent en garde à vue, c'est considéré comme un cambriolage. Tu rentres chez quelqu'un? Je sais pas, ça va. Tu sais. Arrête de me prendre pour un coup. Frérot, à 19 ans, si tu sais pas que quand tu rentres chez les gens, c'est considéré comme un cambriolage. C'est pour ça que j'ai rien voulu, j'étais dans la piscine. Mais on s'en fout, tu es chier. T'as jamais fait Est-ce que ça te plairait que je vienne chez toi et que j'utilise ton micro-ondes, ton four, ton... Non. Ta mère, elle marronnerait. Non. Tu me foutrais dehors à coup de pied au cul. Alors qu'est-ce qu'on fait? On te fout dehors à coup de pied au cul nous aussi. Et voilà, alors on fait comment? Donc je t'explique, tu as deux solutions. On va pas passer par quatre chemins. On va pas te frapper non plus, on n'est pas des mecs qui font des trucs comme ça. Il y a deux solutions. Soit, première solution, on appelle les flics, ils viennent te chercher et tu te démerdes avec les flics. Ta mère, non, tu es majeur maintenant, donc après tu te démerdes avec eux, tu es un casier judiciaire. Non? Bon, peut-être que tu sortiras un peu plus vite, mais en tout cas, tu vas être emmerdé. Ta mère, je pense pas que ça va y faire plaisir. Deuxième solution, tu restes avec nous. Nous, on fait des vidéos sur YouTube, donc ton visage, on va le mettre sur Internet. Non, frère, tu vas pas me mettre mon visage quand même, tu vas pas m'afficher devant tout le monde. Frérot, après, c'est le risque à prendre. Tu rentres chez les gens, enfin je sais pas, tu rentres chez les gens et tu veux qu'on te fasse. Frérot, c'est trop facile. Quel jeu, on pense que je suis un voleur dès qu'on me voit dans la rue. Moi, comme ça a l'air mec, un bon jeune. Oui, on dirait qu'il est gentil. Mais tout à l'heure. Regarde l'état de son pied. Et ouais. Non, en plus. Après, moi, j'ai. Voilà. C'est pas moi qui t'as fait ça, frère. Eh si, je t'ai couru après. Autre fois, je te souviens de moi, non? Si. Hein? Je t'ai couru après, tu n'as plus revenir. Il est tombé. Tu... 15 jours derrière. Et il a déjà porté plainte pour ça. Ça veut dire que là, si on appelle les Condé, là, tu vas direct. Là, tu es dans la merde, frère. Désolé, monsieur. Eh ouais, désolé. Nous, on va faire notre justice nous-mêmes, sans violence, mais on va faire une justice. Donc, soit tu choisis, on appelle les flics, soit tu restes avec nous et on fait une sentence façon Kamoff. Tu m'as dit que tu connaissais pas Kamoff, ça sera l'occasion de connaître. Qu'est-ce qu'on fait? Frérot, arrête de me faire le mec qui fait de la peine, s'il te plaît. Arrête de faire le mec qui me fait de la peine. Arrête de faire le miskin. Tout à l'heure, tu étais chaud. Tout à l'heure, tu appelais ton collègue, ouais, frérot, nanani, nanana. Alors. Dévoile ton vrai visage et dis-nous, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez, vas-y, on va faire comme vous voulez. On va faire Kamoff. Kamoff. La sentence à la Kamoff? Donc les amis, on va préparer la sentence à la Kamoff et j'ai déjà une petite idée. Il va rester avec nous et on se retrouve juste après. Il le sait pas encore, on lui a bandé les yeux exprès. On a acheté du colorant alimentaire. Ça, autant vous dire que regardez mes doigts. J'en ai mis une goutte. On va mettre le colorant alimentaire dans le jacuzzi. Eric, on te repérera un jacuzzi, t'inquiète pas. On va mettre le colorant alimentaire dans le jacuzzi. On va le faire rentrer dans le jacuzzi, les yeux bandés comme ça, il voit rien. Et quand il ressortira, il ressemblera à Luc. C'est parti. Bon frérot,
On va pas te faire un truc méchant. On va juste rajouter de l'eau froide dans le jacuzzi, ok? Pour que tu puisses avoir une bonne sentence, façon camoff, pour que tu aies froid. Parce que là, l'eau elle est chaude, on est d'accord? Ouais. Donc on va mettre de l'eau froide, ok? Allez les gars, rajoutons l'eau froide. Oh, oh mon dieu! Oh mon dieu! Elle est vraiment froide. Oh, elle est froide. Allez mon frérot, tu peux rentrer. Elle est froide, je te le dis. Vas-y, tu peux y aller. Elle est tellement froide qu'on voit plus tes pieds. Elle est froide ou pas? Vraiment, elle est pas si froide que ça. Ah ouais? Elle est un peu comme comme tout à l'heure. Ouais. Elle est un peu comme tout à l'heure. Elle est mieux, frère. Elle est mieux que tout à l'heure. On va te rajouter de l'eau froide alors. C'est un peu froid là, non? Ça va? Ouais. Bon, merci. Peu... Là, ça fait froid, non? Ah. Là, c'est froid, là. Ouais. Ce que je me dis. Là, c'est glacé, là. C'est glacé, là. On est sur le... Oh, non, c'est chaud. Oh! Alors? Tu peux sortir, c'est bon, hein? Elle était fraîche, non? Ouais, ça va. Merci, les gars, en tout cas. De rien, frérot, t'inquiète. Je vais enlever le t-shirt, t'inquiète. Attention, il y a une brosse, c'est un peu grande. Tu reviendras, hein? Mais c'est quoi, ça? Mais vous êtes malade ou quoi? On est mis du verre partout. Tu t'es transformé en Hulk, frérot. Mais vous êtes des ouf, il y avait pas ça tout à l'heure. Comment ça, il y avait pas ça? Regarde les mecs. T'as pouvoir magique, tu vas pouvoir sauter le mur plus facilement. Mais vous avez pas pris de droit. Non, attends, ne parle pas de droit, frérot. Là, ça va, tu ressembles à Hulk, c'est bien beau. C'est du colorant alimentaire, ça va partir au bout de 3, 4, 500 lavages. Hein? 5 jours, ouais. Ouais, je pense. Tu vas me laisser ton nom, ton prénom, d'accord? Ok. Et s'il y a quoi que ce soit, on t'en rappellera. Si tu reviens ici, on appellera les flics. Voilà, simplement. D'accord. Mais là, c'est sûr que je peux revenir comme ça. Ah, c'est sûr, tu reviendras plus. Là, au moins, tu passeras pas inaperçu. On te garde ton pull. Tu peux. Venu comment, en bus ou en voiture? Je suis en bus. C'est pas mal. Il a froid en plus, pas cher. Il y a le chauffage dans le bus, c'est Mercedes. Mais écoute. Pourquoi je peux récupérer mon téléphone? Ouais, dans lui son téléphone. C'est quoi comme téléphone? Je sais pas. On regarde, on le garde? Non. Fafouné. Qu'est-ce qu'on a dit? On ne vole pas les gens. Mais moi je veux pas le voler. Si tu veux le voler. Non, je voulais l'emprunter. Non, tu voulais le voler. Et lui il vole de l'eau là. Voilà. Récupère tes affaires. Voilà. Et à plus. Non. Et voilà les gars, on le laisse repartir habillé en. Enfin, déguisé en Hulk, mais les gens ils servent. Devant les gens et tout. Il y a un arrêt de bus un peu plus loin, donc je pense qu'il va aller à l'arrêt de bus. Il se confond. Ça... Oh putain, 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 se cache. Mais comme il court. Mais comme il court. Regarde, les gens ils s'arrêtent et tout. Hey, tu fais quoi là? Vas-y, Mafounei! Vas-y! Vas-y, Mafounei! Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Fafounei! T'éveilles! Et il continue à courir, mais tu le vois? Tu le vois de là? Il cavale, il se cache. Il va aller certainement à l'arrêt de bus. Eric, viens! Ouais. J'espère que... Eric. Je suis désolé, je te touche pas. Donc j'y vais tranquille, moi. Je pense qu'il recommencera plus. Ouais, j'espère aussi. Ça, tu vois, la violence, des fois, ça sert à rien. Ouais. Là, on l'a chopé. Je pense que la sentence est de taille. Oui, il a du couloir. Il est habillé en Hulk ou en CTLM. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez Hulk ou CTLM comme super-héros. Même si CTLM, c'est pas trop un super-héros. Bon. Merci à vous, l'équipe. J'espère qu'il reviendra pas. J'espère. Tiens, notre numéro, oui, c'est à quoi que ce soit. Tu nous appelles. Pas de problème. Et là, par contre, la prochaine fois, on n'ira pas gentiment. Si okay. On l'envoie au flic direct, on le prend de force, on l'amène au commissariat. Là, parce que... On a le droit de venir te voler, on a le droit de rentrer chez toi, de te cambrioler, mais tu n'as pas le droit de te défendre. C'est la France. Bienvenue chez nous. J'ai vu mon volume, j'ai pas de soucis. Minimum comme monsieur. T'as dit quoi, Fafou? J'ai Eric, abonne-toi à ma chaîne, sors. Bref, les amis, abonnez-vous à la chaîne de Farid. Voilà, merci. Zitoun, parce que Farid Zitoun, c'est pas un gratteur. Eric, je te remercie. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne secondaire Camoff TV et à celle de Fafa aussi. Tu peux revenir, oui. Ça va. N'en fais pas trop. Attends, je faisais une marche arrière, genre. Tu vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h sur cette chaîne. C'est ce qu'on fait depuis 4 ans aujourd'hui. On n'a jamais raté un mercredi. Donc pour ça, je vous demande un maximum de likes, s'il vous plaît, parce qu'on a toujours été assidus et en plus, on a toujours été à l'heure. De partage, active la cloche, abonne-toi si c'est toujours pas fait. Bientôt 1 million d'abonnés, les gars. Il y a une grosse surprise ou 1 million que Camoff vous prépare. Ça va être une dinguerie. Vous n'êtes pas prêts, les gars. C'est énervé du futur. C'est le rêve. T'as fini? Oui. T'as fini? Oui. Mais... Arrête! 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 Arrête!